Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce petit live du dimanche fin d'après-midi slash début de soirée. Toujours sur un peu de cartographie, j'espère que ce que nous allons faire aujourd'hui sera intéressant. Je n'ai pas trop d'idées, mais bon, pourquoi, on va bien voir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du coup aujourd'hui? Eh bien, tout simplement ce que nous n'avons pas fait la semaine dernière, c'est-à-dire la carte des capitales du monde GC. Et on va commencer par juste un petit export de carto, là je viens d'avoir cette idée là, histoire de bien se mettre dans le bain. Je vais vous montrer ça d'ici quelques instants, mais il s'agira de faire une petite carte qui va nous aider un peu dans notre atlas de la Mandelsie. Je pense que ça pourrait être assez chouette, et certainement qu'on fera d'autres cartes dans ce genre à l'avenir. Et ensuite on aura la carte des capitales. J'ai un peu réfléchi à comment faire de manière efficace, donc on va aller sur le site du monde GC, faire des captures d'écran de la carte qui existe sur ce site. On va faire donc une carte globale avec les capitales et les villes principales. Et on va ensuite tout simplement numériser tout ça, donc d'abord géoréférencer cette carte. Et ensuite, eh bien, la numériser. Il y a 40 et quelques pays dans le monde GC. Ça va prendre un petit peu de temps, mais bon, je pense que ça sera fait dès ce soir. Voilà. Pour le reste, je pense qu'on est pas mal aujourd'hui. Ouais, bon, on va commencer du coup. On est parti. Alors, que je me mémorise bien, mais... Non, c'est pas le bon raccourci. Oui, c'est celui-là. Yes. Alors, donc là, on est toujours dans QGIS. Et j'ai fait... je sais plus si on l'avait fait en live ou pas du tout, cette carte-là, la semaine dernière. Je me souviens pas. Bon, bref. Mais je la trouvais assez intéressante. Et je me suis dit, est-ce que ça serait pas intéressant de l'avoir aussi pour la Mandelsie et dans mon futur atlas. Je sais pas. Peut-être que c'est intéressant, peut-être que ça ne l'est pas, mais bon, on va le faire, comme ça on l'aura sous la main. Alors, ça va être du coup assez simple. Il suffit juste de changer en fait ce petit truc ici. Donc je vais dans les propriétés de ma couche et ensuite. Hop, attendez. J'ai des traces sur les lunettes. Voilà qui devrait être un petit peu mieux. Alors, je disais, donc il suffit de changer en fait ici les valeurs. Hop, éditer, je sais pas comment on peut faire pour éditer ça. Bon, on va faire une nouvelle catégorie. Regardez, tap, copier le symbole, coller, ça, on le vire. Et on met Mandelsie. Et normalement, c'est bon. Bon, on pourrait le faire pour toutes les... Voilà. Ce que j'ai commencé à faire, j'ai pas totalement terminé, mais c'est relier les territoires polaires eh bien, aux différents états. Donc vous voyez pour la Mandelsie, c'est celui-là, hein. Sachant que bon bah il y a des histoires de géodésie, et donc forcément ce territoire-là, en fait, il est très petit hein, par rapport à la Mandelsie qui est beaucoup plus grande. Mais bon, vous savez, ces histoires de projection, de reprojection, quand on prend des cartes à l'échelle mondiale, voilà, on a l'impression en fait que ce territoire est aussi grand que la Mandelsie elle-même, alors que c'est pas du tout le cas en réalité, mais c'est propre aux déformations. Ça c'est chouette quand même. Mais j'ai d'autres vues du coup de ces territoires qui permettent d'avoir une meilleure idée de sa surface par rapport au reste des pôles. Hein. Je vous rappelle qu'ici on a une surreprésentation des territoires polaires du fait de déformations induites par la projection et les systèmes de coordonnées utilisés. Bref, voilà, donc une petite carte juste comme ça qui mange pas de pain, qui va nous permettre d'aller un petit peu de l'avant. C'est des pages A4 ça je crois. Je suis pas sûr. Si ça a l'air propriété de la page. Est-ce qu'on est bien sur du A4? Ouais, on est sur du A4. Il y a beaucoup d'espace hein, finalement sur les pages A4. Donc il y a beaucoup d'espace du coup pour mettre notamment les légendes, ce qui est plutôt bien. Quand on va mettre ça en page,
Je sais pas si ça sera très bien, parce que le format de l'Atlas, hein, GC1, c'est le A4, hein, je vous l'ai montré la semaine dernière, donc A4 format paysage, et je sais pas si ça va bien s'adapter, donc va falloir voir ce qu'on peut faire éventuellement. Bref, pour ce dont on a besoin aujourd'hui, on a juste besoin de ça, et moi ce format-là, pour mon atlas personnel, il me suffit. Il sera très bien. Map diverse, alors je vais enregistrer ça plutôt en Mandelzi. Tac, ici. Tout, 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 tout. Hop là. Ça n'a pas besoin d'être ouvert. Je cherche où je le mets. Ouais, je vais le mettre dans géographie. Vous voyez, on a déjà des cartes. Hein, ici, une carte de la localisation de la Mandelzi. Mais bon, Mandelzi, localisation 2. Je sais pas si ça sera utile ou pas. Mais en tout cas, il y a les pôles. Donc, ça peut être intéressant. Et je pense, du coup, si je retourne dans mon... dans mes dossiers. Hop, je vais attendre que ça s'ouvre. Explorateur, il met trop aplomb à se lancer. Hop, c'est pas ça. Hop là. Alors, je vais chercher mes dossiers. Tout, 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 tout. Projet créatif, hein. Ouais. Bon endroit. Mandelzi, tac. Et géographie, localisation. Forcément, ça se met toujours sur le deuxième écran. Hop là. Ah, j'ai eu une idée aussi pour mon atlas de la Mandelzi, c'est de faire. Enfin, une idée. Ça a été suggéré très. Par mon frangin d'ailleurs. Oui, c'était de rajouter des pages, des doubles pages avec des images Flowscape. Et je pense que ça va être super classe. Oui, donc du coup, la Mandelzi dans le monde GC, de toute manière, faut la refaire parce que les étiquettes des continents sont illisibles. Et puis il manque les territoires polaires, donc on va faire autrement. Et ouais, il y a moyen, enfin, y a nécessité d'améliorer un peu les choses. D'ailleurs, les bordures, elles sont énormes. Ouais, bon. Cette carte-là, il va falloir la refaire. Mais bon, peut-être qu'on la refera soit aujourd'hui, soit un autre jour, on verra. On va d'abord se concentrer eh bien, sur la carte des capitales. Alors, on est parti. La carte des capitales. Donc, on va quitter l'édition sur celle-ci. On va commencer par préparer le terrain. Alors, préparer le terrain, c'est créer une nouvelle couche shapefile de points. Donc, type de géométrie point, nom du fichier, toujours le préciser, sinon ça va être pas bien enregistré. Data, monde entier, et on va faire GC capital. On veut système de coordonnées du projet, bien évidemment. Donc, dans les données qu'on va devoir intégrer, on va garder l'identifiant, on va mettre le nom de la capitale, ajouter à la liste, le pays de rattachement et la population. Population qui est un champ plutôt a priori d'entier. Nombre entier, voilà, ajouté à la liste des champs. Longueur 10, oui, ça devrait suffire, hein, on n'a pas de... Ouais, non, ça devrait largement suffire puisque 9 chiffres c'est 1 milliard, donc 10 chiffres c'est 1 milliard. Attendez. Non, 9, non, 10 c'est 1 milliard, ok. Donc il n'y a pas de ville avec 1 milliard d'habitants, donc ça devrait le faire. Et puis je pense que c'est déjà pas mal pour commencer. Alors attendez, je vais m'installer mieux. Voilà, là on est bien. Ok, donc ça c'est la première étape. Donc je vais réactiver cette couche-là et on va maintenant faire.
à préparer, aller chercher les données qui vont nous servir de référence. On va créer donc une image et je vais aller chercher le site du MondGC. Tac, que voici. Et on va explorer la carte. J'ai l'impression d'être un peu jaune sur la... caméra. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Bon, ça charge, ça charge, ça charge. Hop. Donc en fait, on va faire juste des captures d'écran, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Mais il va falloir assembler parce que, bah, regardez. Hop, là, on n'a pas les capitales. Donc il faut zoomer et on va faire une sorte d'assemblage. Donc là, on voit les pays et je crois qu'il faut aller au niveau de zoom encore supérieur pour pouvoir voir les villes et notamment les capitales. Donc il va falloir au moins faire un assemblage. Oula, ouais, c'est un peu le bordel par contre. Est-ce que j'enlèverai pas les... tout ce qui est route, on s'en fout pour le moment. Capitale et grandes villes, frontières... continent, on s'en fout. Les frontières. Alors on va les laisser, frontières. Et déjà c'est pas mal en vrai, capitale et grandes villes, ouais. Peut-être qu'on fera une carte des grandes villes du coup aussi. Voilà. Alors, et ben, du coup, on est à ce niveau de zoom là. Je vais basculer la fenêtre sur mon deuxième écran qui est beaucoup plus grand et du coup, je devrais pouvoir faire des captures plus facilement. Voilà. Avec un plus grand nombre d'entités en même temps, ça sera plus facile à mon avis. Mais du coup, hop, je vais me mettre là et vous allez pouvoir voir ça tout de suite. Alors attendez, parce que je commence pas du tout par le bon endroit. Quand même commencer par le coin supérieur gauche. C'est tout à fait normal. Que vous ne voyez rien. Hop. Est-ce que je peux faire ça? Ouais, non, c'est des tuiles, donc non, ok. Alors, c'est parti. On prend ici. Voilà. Et on va tout de suite le coller en fait. Hop là. Agrandir bien sûr la zone de dessin. On va la redimensionner juste en dessous. Et pour que ma carte soit vraiment bien calée, tac. On met ça ici. Voilà, là on a le nord de la Philicie et la suite va consister à tout prendre, tout simplement. Alors du coup, on va juste redimensionner l'image. Taille de la, non, redonner la taille de la zone de dessin et regarde ça, la largeur on va mettre 6000. Et la hauteur, faut au moins 3000. Voilà, ok. Là, on devrait avoir suffisamment de place. Je l'espère pour tout mettre. Et on est parti. Tac. Hop. Donc oui, ben, je répète, hein, vous voyez pas ce que je suis en train de capturer. Mais c'est normal. Tac. Et ensuite, donc, on prend ça, on colle. Et on cale bah, tout simplement le petit truc ici. Hop. On voit vraiment pas trop, pas bien la limite. Voilà. Là, en haut, on est bon. Et maintenant, il faut se caler sur le côté. Ça va être assez facile. Hop. Encore 2 pixels. Et on est bon. Voilà. Bon, après, il y a des petits trucs ici. À la limite, on s'en fout. Hein. Ouais, je pense qu'on va être pas mal. Hop, je décale. Est-ce que je peux tout prendre, là? Oui. Nickel. Ok, ça va être assez rapide, du coup. Parce qu'on peut parcourir toute la carte avec seulement 3...
en 3 captures en largeur. Donc on est à peu près par ici. Pareil, est-ce que là je suis bien calé? Ouais, je suis bien calé en hauteur. Et maintenant, eh ben, on va se décaler. Voûte. Et on va essayer de trouver le bon. Alors, je pense que peut-être en hauteur, voilà. Je sais pas si les textes ils bougent ou pas. Bon, ça m'a l'air d'être plutôt bien calé, hein, en vrai. Ouais, si, c'est parfait. Voilà. Voilà, vous voyez, là, on a toute la largeur de la map. Et puis, bah, on va continuer comme ça, en descendant. Voilà, voilà. Hop là. Alors, ensuite, si je zoome ici, la limite, pour bien être calé, on peut remonter jusque là. Je pense qu'on aura, on sera déjà pas mal. Donc ça va être pareil en hauteur, on aura trois assemblages à faire. Ah ouais, attendez, je suis pas bon. Bien pratique d'avoir un très grand écran. Tac tac tac. Alors du coup on va se caler par là. Donc on est sur ça et tac. Ah, si je me mets là, je pense que ah, on dirait que c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Ouais, j'arrive pas bien à la caler là. Ah, peut-être que sur les lettres, du coup. Ouais, ça va être ça. Ok, là on est bon. C'est quoi ça? Ah, c'est rien. Alors attendez, hop. C'est que j'ai pris un bout du titre, ce qui est stupide. Voilà. Donc on va recaler. Non. Quoique, ça pose pas de conséquences. Si. Ok, donc là on recrée un calque et on va leur caler dessus pour pouvoir l'effacer. Vous allez voir, vous allez voir, voir, voir. Voilà. Donc ça c'est calé, ok. Et du coup, si on veut que ça fonctionne bien, on dirait qu'il y a une... Ah, c'est qu'il doit peut-être y avoir une ombre en fait dans la barre de titre. C'est peut-être pour ça. Bon, c'est pas très très grave. Hop. Tac, si je fais ça, voilà, on est bon. Tac, voilà. Bon, ok, next. Alors, maintenant, on peut se décaler largement. Là, je pense qu'on est pas mal. On va avoir là un peu le même souci que tout à l'heure, mais c'est pas très grave. Tac. Allez, hop, c'est parti. Donc là, c'est là où on va avoir la plus grande concentration. Alors, on va pouvoir se caler sur le texte ici, ça va être assez facile du coup. Tac. Mais normalement, on est bon. Pareil.
un petit effacement ici. Et il nous reste la partie la plus à l'est. Oh là là, c'est terrible parce que sur mon second écran, j'ai pas les onglets dans la barre de tâches qui sont bien séparés. Donc c'est un peu chiant. Faut que je remonte un peu. Voilà. Hop là. Pas de panique, ensuite hein, on réduira tout ça de manière à ce que la carte soit vraiment vraiment à la bonne taille, qu'elle soit pas trop grande ni trop petite. Oups. Alors ok, donc touc. Je pense qu'on est bien là. Est-ce qu'on est bien calé ici? Ouais. Quel? Il n'y a pas un truc en trop quelque part? Si, là. Voilà. Petit bout. Touc. Oups. Voilà. Bon, après, le sud, c'est un peu anecdotique parce que il y a vraiment pas grand chose. Mais c'est pour que la carte soit vraiment bien calée à suite. Ah bah si, il y a Tullison. Si, je raconte des bêtises. Il y a Tullison qu'il faut rajouter. Hop là. Alors, où est-ce qu'on va arriver? Ah, là, ça va être un bon point de calage. Voilà. Parfait. Hop, on décale. On peut aller jusqu'au début de l'Isson, d'ailleurs. Ouais. C'est un peu fastidieux, hein, on va pas se mentir, mais bon. Là, on va pouvoir numériser vraiment pas mal de données avec la géolocalisation, tout ça. Je pense que ça va être assez sympa une fois que ça sera fait en mode vraiment SIG à fond. Touk touk touk. Alors, on va se caler sur le texte encore une fois. Voilà. Parfait. Hop. Bon, là, on fera une petite retouche, hein, mais c'est rien du tout. Voilà, ni vu ni connu. Et les capitales, en fait, ça va être les cercles rouges. Voilà, c'est ce qui est tout ce qui est cerclé en rouge, c'est les capitales. Donc c'est ça qu'on doit numériser aujourd'hui. On va faire les belles étiquettes. Je sais pas si je vais me remettre la population directement, mais bon. On va essayer. Hop, quelques pixels, voilà. Mais c'est parfait tout ça. Hop là. Donc bon, ma zone de travail était forcément beaucoup trop grande, mais c'est pas grave. Tac. Et on prend ici et on y va. Voilà. Donc là, on a notre belle carte, bien comme il faut. Et on n'a plus qu'à l'enregistrer. Donc je vais fermer ça. Non. Hop là, nickel. Alors, on enregistre. Fichier enregistré sous. Tac. Mmh.
Map diverse. Bon, je sais pas, je vais mettre ça là-dedans pour le moment. Capitale. Base. Screenshot. On va le mettre en screenshot. De toute façon, ça va se dupliquer parce qu'il va y avoir une couche TIFF qui va arriver et qui va être donc bien géoréférencée. Ok. Nickel. Donc ça, j'en ai plus besoin. Et on peut retourner du coup sur, hop, sur QGIS. Alors, on va géoréférencer cette image. Vous allez voir que ça va être assez facile. Hop, le principe, il est très simple, c'est qu'on prend les coins, genre là. On va créer des points ici dans le coin. Depuis le canevas, alors je vais mettre ma fenêtre de géoréférencement sur le côté, hein, histoire de que ça aille un petit peu plus vite. Et bien on va repérer les coins. Puis on va voir ce que ça va donner, c'est un peu la grande inconnue, parce que... Hop. Normalement c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Mais je suis pas confiant à 100%. Hein. On peut se retrouver avec des capitales qui sont pas du tout au bon endroit. Donc faudra peut-être tricher. Ah mais là il n'y a pas les coins. Oh, bon, ça va pas être forcément très terrible. Hein. Ouais. On va essayer de modifier les points manuellement. Vous allez voir. Voilà. Parce que là, du coup, hop, bon, ça change pas. Si ça, on va changer juste l'emplacement. Map diverse, non. Dans data, on va faire un raster. Voilà. On va voir. Hein. Ouais, vous voyez, il y a un décalage de ouf. Enfin, de ouf. Oh, c'est subtil. Ok, ouais, c'est pas si important que ça. Ok, donc maintenant, faut peut-être procéder. Processing, touc. Voyons voir. Ah, la tournée. C'est parce que c'est pas terrible ça par contre que c'est tourné. C'est quoi ça? Pôle Nord, Riproge. Ok. Oh là là, il y a des sacrés décalages. Waouh. Il y a des sacrés décalages. Hein. C'est que dans ma map, à moi, il y a plus d'espace en fait, hein, quand même. Beaucoup plus d'espace même. Si je remets les pays de la planète Terre. Ouais. Alors du coup, pour tricher entre guillemets, il va falloir qu'on réduise un petit peu notre raster et qu'en fait on repère d'autres points parce que ça fonctionne pas comme il faut là. Voilà, vous voyez, repérer les coins c'était pas la bonne option. Donc on recommence. Alors, je vire ça.
Et pour bien caler, en fait, on va pas repérer les coins, on va repérer des vrais points. Donc vous voyez la pointe ici de l'ancre, par exemple. Et là, je pense qu'on devrait être mieux. Hop là. Donc bah, les points. On les vire. Comme ça, on est sûr que ça sera en fait bien calé. Alors, du coup, hop, la pointe ici. Elle correspond à ce point-là. Ok. Bon, je laisse la map sur mon deuxième écran. Ça ira un petit peu plus vite. Ensuite, on va prendre cette pointe-là. Donc sur cette carte ici, ça correspond à ça. Ok. Nickel. Hop. Ensuite, on va aller prendre une pointe tout au sud, ici. Voilà. Ok. Ensuite, une autre pointe au sud, genre. Celui-là, celle-ci elle va être plus identifiable, je pense. Voilà, ok. Bon, l'idée c'est de vraiment vraiment bien diffuser ces points un peu partout. On va essayer de repérer ce creux-là. Là, cette pointe-là, elle me semble pas mal aussi à repérer. Hop là. Est-ce que je suis au bon endroit? Non, c'est un petit peu plus haut. Ouais, elles ont pas du tout la même gueule, par contre. Hein. Je suis au bon... Ouais, si, je suis au bon endroit. Ok. Bien. Fort bien. Ensuite, on a cette pointe ici qui devrait être intéressante. Je devrais arriver à mettre mon algo de détaillage là-dessus, ça serait assez intéressant. Enfin, faut d'abord le faire fonctionner sur la topologie, mais bon, ça c'est autre chose. Ok. Et on va se mettre un petit point au centre aussi, genre. Cette espèce d'anse ici, dans. Je sais plus quel pays c'est. Là. Bon, 7 points, on devrait pas être trop mal. Est-ce que c'est bien réparti? On va essayer de s'en trouver un Sylvania, genre. Ah, mais je les ai pas les lacs, moi. Est-ce que je les ai les lacs? Nope. Ah, cette pointe-là. Voilà. Bon, en vrai, je pense que 8 points. Est-ce que je suis bon sur mes DX, mes DY? Oui. Mes résidus? Oui. J'ai mon point 0 qui est pas très très bien placé. Ouais, mais il est important quand même. Je vais voir si je rajoute un point à côté. Est-ce que ça peut être bien. Bon, ah, je pense que c'est bon. Allez, bien un bon décalage quand même au nord. Hein. Là, c'est pas très très fiable. Là, sur l'Océanien, on est plutôt bon. Ouais. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Pff,
Non, ici on est pas trop mal. Après, il manque un point aussi hein, dans ce coin-là. Donc ça serait pas idiot de retenter d'en rajouter. Et j'ai l'impression ouais, que les points, ces points-là, ils font beaucoup de résidus, donc ils sont pas forcément très très bien calés. Alors, eh ben, on va essayer d'améliorer ça, parce que ça a mine de rien son importance, que les capitales soient quand même bien placées dans le lot. Donc on a dit, on a là nos, en gros les points qui posent problème, c'est les points 0 et 1. Donc ce point-là, point 0, pourtant... Ah ouais, si. Donc on va le supprimer et on va prendre celui-là, vous voyez. Il me semble que ça sera peut-être un peu plus facile. Tac. C'est assez fastidieux hein, le processus de calage, comme ça, si on veut bien le faire. Voilà. Et donc c'est mon point... 8. Oh là là, pareil, il est pas bien, pas du tout bien placé. Il devrait être beaucoup plus haut. Alors du coup, est-ce qu'on rajouterait pas d'autres points? Genre cette pointe ici. Essayez de bien la repérer. Du coup, ça a augmenté mon décalage sur le point numéro 8. Donc lui, il est vraiment pas bon. Par contre, si je l'enlève, c'est parfait. Donc je vais le virer. Hop, ok. Et on a surtout un problème de décalage vers... Là, c'est vraiment pas bon. C'est-à-dire que ces îles-là sont censées être beaucoup plus par ici. Ouais, il y a un sacré décalage là. Donc on va essayer de repérer un point dans cette zone. Et histoire que ça soit peut-être un peu plus exact. D'ailleurs, il y a des îles qui n'existent pas. Si. Ah, si. Alors, est-ce que ça va être facile à repérer le pouce, voilà, le milieu ici. Hop là. Pareil, très gros décalage, trop gros décalage. 10 et quelques. La question que je me pose, c'est est-ce que les îles sont pas plus éloignées qu'elles ne devraient l'être? On pourrait pas déjà essayer d'améliorer, voyez par exemple ici, en rajoutant un point. On va le faire tu vois, sur cette anse là qui correspond à ce pic ici. Ouais. Bon, mon point numéro 9, définitivement. C'est assez compliqué là le nord, hein, parce qu'il y a beaucoup de points finalement presque dans l'hémisphère sud, mais le nord ça manque un peu. Mais là on a que des... Regardez, si je reprends ma vue ici. Donc, ce qui est important hein, pour quand on fait un calage, je le fais souvent aux F sans expliquer, mais bon là on a un peu de temps aujourd'hui, on va le faire. On a plusieurs critères qui permettent de dire que le calage est plutôt bon. Là, on a quand même 10 points en tout, hein, ce qui est plutôt pas mal. Il faut que les résidus fassent en moyenne moins de 5. Donc là, on est largement bon. Non, pas les DX et DY, ça faut que ouais, ça soit moins de 5. Quand la somme soit... Ouais, non, je crois que c'est moins de 5. Et là, que ça fasse moins de 10 en moyenne. Donc là, on est largement comme il faut. On va observer quand même des petits décalages, je pense. Donc pour ça, on va revenir sur l'autre vue. Je vais virer le géoref, pouf, et on relance le géorefrancement. Ok, et maintenant si je remets ça en dessous. Ah ouais, là on est quand même beaucoup mieux ici. Bien progressé. Là il y a toujours un gros décalage.
Par contre, sur tout le reste, alors c'est peut-être le SIG qui est pas bon là, du coup, hein. C'est ça qui est pas au bon endroit. Parce que sur tout le reste, regardez, on est vraiment bon, hein. Ah, il y a un petit décalage sur l'encore aussi, sur les îles ici. Là, on est parfaitement au-dessus. Ah, c'est vraiment pas grand-chose ici, hein. Et là, je pense que c'est encore une fois le placement qui est pas bon. Alors, du coup, on va tricher, forcément. Regardez comment on va tricher. On va prendre. Ouais, chouette cette musique. C'est du Adrian von Ziegler, ça ou pas? Non. Musique libre japonaise. Sakuya 2, Péritune. Ok. Bon, le jeu référenceur en a plus besoin, donc je ferme. Tac. On va prendre ça. Et on va les déplacer du coup. Déplacement, c'est ici. Voilà. Et ouais, les îles sont vraiment pas du tout bien placées, hein. Ah non, regardez. C'est que c'est pas tout à fait la même taille. Ouais, si je remonte, y a une élasticité qui s'est pas faite ici. Donc ouais. Par contre, ça c'est sûr, c'est pas bien placé du tout. On va juste sélectionner ça et les redécaler à un chouïa. Ah mais je peux pas. C'est la même entité en fait. Ouais, donc c'est pas exact. Ok, bon bah écoutez, on va se laisser ça comme ça, mais pour le reste, vous voyez, c'est quand même plutôt bon, hein. Y a ça qui est... est vraiment pas terrible ici, mais il y a que cette zone-là, c'est très marrant. Et puis un petit peu là encore aussi. Mais c'est très subtil, on va pas se mentir. Bien. Alors, maintenant que le géoréférencement est fait. Hop, le géoréférencement. Tac, est bien fait. Je vais me resservir un peu d'eau. On va pouvoir commencer à créer notre couche des capitales. Et je vais me remettre sur le côté aussi, sur mon deuxième écran, le site du monde GC parce qu'il va falloir qu'on rentre et qu'on saisisse les populations. Donc ça va avoir le mérite d'être peut-être un peu laborieux. Hop là. Alors, ce qu'on va faire, c'est mettre un peu de transparence. Est-ce que je peux le faire de manière globale? Rendu. Oui, normalement je peux. Affichage. Non, je peux pas. Si, enfin, faut le faire là. On va le faire ici, du coup. Voilà, comme ça on a les frontières et on voit à peu près ce qui se passe en dessous. Bon, bah c'est parti. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a plusieurs... Ouais. Tac, si je zoome ici, ça va me donner un peu de... d'indications. Alors, je vais virer les monuments. On voit pas toutes les villes là, hein, c'est ça? Ouais, ok. Donc les villes mineures ne seront pas affichées sur cette image-là. Mais c'est pas grave. Hop. Bon, j'essaie. Tac, les capitales, du coup, on va les mettre au-dessus. On va faire un beau symbole qui flash bien. Genre ça, en première approche. On quitte le mode édition ici et on l'ajoute ici. Ouais, par contre, ça, je pense que ça va pas être assez gros. Aussi, oh, 7, si, ça devrait être assez gros. Hop, mode édition.
C'est parti. Donc là, on commence par Waltenbury. Est-ce que c'est vraiment au bord de l'eau? Ouais, c'est vraiment ici dans le. Ah, par contre, j'aimerais bien pouvoir saisir les choses en même temps, moi. Saisir toutes les infos. Ok. C'est bizarre. Il y a des bugs, hein, mais bon. Alors, idée, on s'en moque, on le fera à la main plus tard. Enfin, on fera une petite fonction qu'il donnera. Waltonbury, ça s'appelle, avec deux R. Le pays, c'est la Confédération insulaire d'Angkor. Et la population. Cinq millions 222 315 habitants. Voilà. Tac là. Donc on va être sur des villes très très peuplées, hein, généralement. Hop, juste à côté, on a York City qui est au bord de l'eau. Du coup, on va la mettre ici. Voilà. Le nom, c'est York. Le pays, c'est le Sunrise. Là, je le fais de tête, mais j'en suis quasiment sûr. Hop, je vais sélectionner ça. York City, créé par Gandalf. Sunrise, capitale. Et on a 9 025 147 habitants. Ok, ensuite, on va aller à Galax, au Polaro. Alors, Galax, est-ce que c'est vraiment au bord de l'eau? Oh, dans mes souvenirs, oui, des vues que j'ai pu avoir de la ville. Galax, c'est. Ah, non, vous voyez. Ah, non, vous voyez pas du coup. c'est pas tout à fait au bord de l'eau. Hein. Non, c'est pas le bon screen. Voilà, si je vous mets. C'est pas ça. C'est ça que je veux. Ah, si je vous remets la carte, vous voyez, on est un peu en retrait. Mais le truc, c'est que ce lac-là, moi, je ne l'ai pas décalqué. Donc, ce sera peut-être aussi l'occasion de compléter la map avec le décalquage des lacs. Donc, Galax, ça va être un petit peu par ici. Galax, tac, Polaro, population. Sur une ville à 3 millions. 425 874 habitants. Ok. Ensuite, donc ça, c'est des pays qui ne sont pas utilisés. On va aller en Narada, du coup, à Tashi. Tashi, c'est à peu près au bord de l'eau. Genre ici. Tashi, c'est Shai. Tashi ou Tashsai, je sais pas. Arada, population du coup, 1 993 328. Ok. Alors ensuite on va descendre un petit peu, tout tout tout, qu'on va aller en Galia avec une ville qui s'appelle Paname. Tac tac, en référence un peu à Paris, hein, on va pas. Voilà. Là, je vais le mettre pile poil au centre. Hein. Touk touk touk. Et Paname, du coup. Galia. 12 millions. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Ensuite, on va aller au Santorico. Avec une ville dont le nom est passablement imprononçable. On va s'essayer quand même. Donc on est sur Castel Upuntos. Donc de Joanne. Non, le pays c'est pas ça. Voilà, c'est pas au bon endroit. Tac, le pays c'est le Santo Rico.
Et la population, 5 245 360. Ok. Ensuite, Elveni. Hop. Tac. Donc, on est sur Saint-Emeric. Le pays, l'Elveni, on a dit. Et la population, 2 914 375. Ok, on continue. Est-ce qu'on n'a pas oublié une ici? En Boréalia. Alors, c'est. Est-ce que le pays il a changé de nom ici? Ouais. Non. Donc, on a Édimbourg. Le pays, c'est. Boréalia, parce qu'Australia ça marche pas. Le truc c'est que je sais pas si ça s'écrit avec un R ou deux R. Attendez, je vais vérifier sur le wiki. Boréalia, tout tout tout. Un seul R. Et la population du coup. Très très grand. Effectivement, on est sur 454 902 habitants. Oh, j'ai bien l'impression que c'est l'une des plus petites capitales. Allez, ensuite, on va aller sur Valtamine en Brocélia. Très vieille ville, Valtamine. Très jolie aussi, hein, parce que ça c'était tout. Alors toutes les villes que vous voyez là, la plupart sont illustrées dans des city builders en fait. C'est assez chouette, et notamment Valtamine. Ouais, je crois qu'elle était assez sympa celle-là. 2 millions 89 000 habitants. Ok. Alors ensuite, on passe ici au Aznarøy. Et là. Avec la ville qui s'appelle Maslograd, c'en est une que je ne connais pas. Maslograd, puisque la personne qui était active sur ce pays-là ne l'est plus a priori et a été active quand moi j'étais pas là. Le pays c'est Aznarøy. Et la population, 21 549 032 habitants. Je pense que pour le moment, on est sur la ville la plus peuplée. La Crimésie maintenant. Alors là, j'arrive pas à distinguer parce que les étiquettes se mélangent. Donc la capitale, c'est. Hop là, on va le mettre juste ici. C'est Crimésilia avec deux L. Le pays, c'est la Crimésie, forcément. Et la population, on est sur 2 millions d'habitants, tout rond. Ouais, ok. Allons-y. On passe ensuite au Newland avec Forest Hill, ville assez récente. Tac, tac. Est-ce que je l'ai bien écrit? Forest Hill. Forest Hill. Ok, ouais. Pays. Le Newland. La population, du coup, c'est 6 700 000. On a quand même beaucoup de grandes villes, hein. Mais de ce point de vue-là, c'est assez proche à ce qu'il y a sur Terre, en fait. Considérant que c'est que des pays développés, donc c'est essentiellement des pays très 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 urbains. Ensuite, je crois qu'on a tout fait pour ce continent ici, hein. On n'a pas l'air d'y avoir autre chose. Hop, alors là par contre on n'est pas du tout au bon endroit, parce qu'Halifax est dans l'eau. Ou je me trompe? Ouais, mais moi le truc c'est que mes îles là sont pas là.
Alors attendez, on va interroger la base de données pour savoir où est le PEI. Voilà, c'est là, donc il y a un petit décalage. Mais de toute manière, c'est des îles qui n'existent pas sur la carte qu'il y a là, donc... Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même pas au bon endroit, hein. Bon. En tous les cas, la capitale, si je me fie au découpage, elle est plutôt ici. Prince Edward Highland. Et la population donc de Halifax, on est sur 150 000 habitants, donc plus petite capitale pour le moment. Voilà. Hop, donc ça va falloir le recaler parce que y a un petit schmilblick là quand même. Hein. Allez, ensuite on va au Carnoustie, là, à Crystal. Il y a un super RP sur ce territoire-là, je trouve. Oh, c'est hyper bien détaillé. Hein. Alors, attendez, je vais vous montrer ça parce que ça vaut le coup d'œil. C'est magnifique le découpage qui a été fait. Vraiment. Alors, on a dit, on va sélectionner ça, que je puisse bien l'écrire. C-K-I-S-T-A-L. Voilà, le pays, c'est le Cahun. Astide, Touk. Et la population, on est sur 3 594 837 habitants. Ok. Ensuite, on a l'Aldorico, Cruz Castillo, très vieille ville, là aussi, enfin, en termes de du moment où ça a été présenté sur le forum, hein, ça fait très longtemps. Donc, on a dit Cruz. Comment on fait un Cruz? Voilà, comme ça. Castillo. Le pays, c'est l'Al des Rico. Et on est sur 5 500 000 habitants. C'est une ville qui se situe dans un cratère. Voilà. Hop, ensuite, on va sur le Jail. Non, Jail Miral. Tout simplement, ok. Le pays, c'est le Mar Haban. Ou Maraban, je sais pas comment on dit. Mar Haban. Ok. Et la population, 3 485 520 habitants. Ok, ensuite on va aller en Sylvania. Alors là, Menvik, normalement, c'est une ville qui est déjà géolocalisée. Je vais la remettre, mais bon. Par que je confronte mes deux. Comment dire, mes deux bases de données. Le pays, c'est la Sylvania. Hop. Et à sa population, on est sur pareil, à peu près les mêmes ordres de grandeur. 3 654 888 habitants. Ok. Ensuite, on va au Buckland. Avec la ville de Bloemke. Le Buckland. Et la population ici, on est sur un peu moins. 1 384 284 habitants. Ensuite, on part sur Marie County. Avec 2 i. Le pays. C'est le Vazel.
Et on a 3 152 398 habitants. Tac. Peut-être sauvegarder ça avant que ça plante quand même, ce serait pas mal. Oula. Urindorf, en Rhénanie. On sent un peu l'inspiration germanique ici. Comment je fais des trémas sur un O majuscule, moi, comme ça. La Rhénanie. Hop là. Et on a combien d'habitants, du coup? 1 016 483. Non. Hop. Ensuite, alors là, c'est un peu le bordel. Donc, on est sur... Je penserais ça Kurenberg. Kurenjerg. Ouais. Ça me semble pas mal. Par contre, je sais pas comment on met un accent de ce sens-là sur le O, moi. Hein. Bonne question. Est-ce que je peux copier-coller le nom? Oui. Voilà. Le pays, c'est Lisson avec un O barré. Voilà. Et la population... Ah oui, alors, sur une toute petite ville, 11 885 habitants. C'est minuscule. Ok, pourquoi pas. Ah, vous voyez là par exemple, on a un... Ah, j'avais pas remarqué. Mais là, on a un sacré décalage. Hein. Mais ça, ça vient de du fichier que j'ai utilisé de base. Donc, bah, on va se débrouiller autrement. Hein. Bon, alors du coup, est-ce que l'Aldécile en a fini? Non. Il nous reste l'Euromède avec Mesra. Euromède. C'est un côté Claude Med hein, comme nom. Mais au moins, on s'en souvient. Superbe ville aussi en termes de construction faite avec un city builder. Donc 6 559 800 habitants. Très grosse ville. Ok, ensuite on a Mapété, dont la capitale est Mapété. Inspiration plutôt polynésienne dans les noms, je crois. Et la population, 1 200 365 habitants. Ok, donc là je crois que l'Aldécile c'est fini. Hein. Ouais. Allez, on passe au Volcania. Là on n'a pas de capitale. Sauf erreur de ma part. Dans ce qui est. Je sais même pas ce que c'est ce pays. Ah, il n'y a même plus de nom. Ah non, c'est que ça a été annexé, je crois, par le... C'est ça, c'est par le pays, principauté du Queensland, ce qui a annexé, du coup, cette partie-là. Et du coup, la capitale, c'est Astoria. C'est juste que la carte n'est pas à jour. Hein. La carte n'est pas à jour. Et si je me mets bien au centre du cercle, on est là. Astoria. Le pays, on a dit que c'était le Queensland. Et la population, là on est sur des villes qui sont extrêmement peuplées avec 10 millions d'habitants. C'est très très peuplé le Volcania. Si on regarde, hein, on peut s'amuser à regarder un petit peu la carte du monde GC sur ce point. Vous voyez, on a des très grosses agglomérations ici, avec donc à Torrance, pareil, 4 millions d'habitants. Bridgeton, hop. 3 millions. Ouais, il y a un maillage de villes assez important dans ces pays-là. Colombie à 9 millions, vous voyez, pas mal de villes à 10. New Maria
3. Delta 6, ça a l'air un peu plus petit. Ouais, 1 million 5. Philord, 3 millions. Et puis vous voyez les illustrations. Hein, ça... il y a des tours. Hein. Rivière, 3 millions. Ouais, en fait, c'est pas tant ici. Et Arcanta, on est à 4. Et ah, je crois qu'après, quand on passe au... Ouais. Au Commonwealth, là on a des très 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 grosses villes également. Donc Los Santos, Gotham. Ouais, on est sur des villes à plus de 10 millions à chaque fois. Sydney. Alors autour de 10. Hein. Avec des noms qui sont pas sans rappeler des noms IRL. New Amsterdam City. 22. Ouais, pas mal, ouais. Effectivement. 5 et Cronwall, on doit être un peu moins, 8, ok. Donc, on a dit... si on revient à notre SIG, pouf. Cronwall, ici. Ça s'écrit... Cronfall, pardon. Oula, si je commence à me tromper, Cronfalls. Le pays, c'est le Commonwealth. Mmh. Et la population, 88 99 375. Ok. Ensuite, on a... ah, ici. Ah oui, c'est là qu'il va falloir arriver à bien placer la ville. parce que les côtes ont été détaillées, hein, donc... peut-être qu'on va aller faire un petit tour sur le wiki pour se rendre compte un petit peu du placement. Je crois qu'il y a une superbe carte sur le wiki. Voilà. Qui est encore plus détaillée, hein. Moi elle est simplifiée, mais donc à Heigenholm. Heigenholm se situe du coup au milieu de cette espèce de bras de mer en fait. Et donc nous on va le mettre dans l'eau. Genre là. Et hop là. Tac tac. Putain, les cartes elles sont magnifiques hein, sur ce... Est-ce que j'ai un endroit où je peux faire un copier-coller du nom? Oui. Pour le A et le E bien collés l'un à l'autre. Ok, le pays c'est la République Noroise. Et la population du coup... On va être sur 100 et quelques mille aussi je crois. 226. 226 500 540. Ok. Hop. Alors on passe maintenant au Langtong. Langtong. C'est marrant d'avoir mis une ville tout proche de la frontière. Développer pas, il pourrait y avoir pas mal de RP dessus. Alors, Nordlijk, appelé pays, hop, Langtong, et la population 2 771 119 habitants. Ok. Hop, on a bientôt fini du coup le Volcania et puis l'ensemble du coup. Ensuite on a Constantinopolis. Ça m'a l'air bien écrit. Constantinopolis. Le pays c'est... Ouh, ça a pas l'air d'être très très grand ça comme ville. Le point est tout petit. Hein. Le Saint-Empire Constantin.
Constantin, ouais. Et 1250 habitants. On va aller vérifier les chiffres, hein, parce que là, ça me paraît très peu. Alors regardez plutôt, c'est moi ce qui m'intéresse, c'est la population roleplay, pas forcément. Alors du coup, Saint-Empire Constantin. Ouais, il n'y a pas beaucoup de choses. La carte recharge. Hein. Parce que 1250 habitants pour une capitale. Ouais, non. Pourrait faire une carte des langues aussi. En adaptant. Ça serait très cool. Langue principale. C'est très. Enfin, c'est juste de la saisie de données. Hein. Enfin, juste. Ouais, ça a l'air d'être une plus grosse ville que ça, donc c'est pour ça que ça m'étonne un peu. Alors, je vais vous l'afficher comme ça on pourra partager les choses. Ça nous permet de découvrir hein, d'autres villes. Donc 1250 habitants. Hein. Ok, il n'y a pas grand-chose qui est écrit. Hein. Alors, peut-être que... Est-ce que c'est une ville qui a été présentée sur le forum? C'est une bonne question. On va essayer de voir s'il y a plus d'informations roleplay. Est-ce qu'on voilà, est-ce qu'on peut se donner une idée du nombre d'habitants? Alors, rechercher donc la ville de... Constantinopolis. Constantinopolis et on va rechercher dans les journaux de ville. Rechercher. Non. Bon. Alors c'est très très sympa tout ça. Si je reviens sur le wiki, il n'y a rien. Hein. Enfin... Saint-Empire Constantin. La Constantine est avec deux villes principales, Zeroing City, la capitale. Ah oui, tiens, on dit que c'est la capitale. Ouais, bah, c'est très contradictoire parce que la Constantie, en forme longue Saint-Empire Constantin, est une monarchie constitutionnelle unitaire placée sous l'égide d'un empereur. Il a pour capitale Constantinopolis, pour langue officielle de l'anglais, et pour monnaie le dollar impérial. Sa devise est force et honneur et son drapeau constitué d'un aigle sur plan blanc, le symbole du dollar impérial dans un rond blanc cerclé de laurier sur fond rouge. Ok, il s'agit d'un état du continent volcanique. Kania, qui a vu son émergence au partir du XIe siècle, suite à l'établissement du premier royaume. La Constantie est un pays ancien qui prend ses racines dans l'Antiquité et qui s'est véritablement formé au milieu du Moyen-Âge. Du début du XIIe siècle à la première moitié du XIXe, il possède un essor économique important avant de s'emballer lors de la seconde révolution industrielle. Possède l'arme nucléaire ainsi qu'une armée de pointe équipée du matériel de la compagnie présente sur plusieurs continents IDS Corporation. Son économie de type capitaliste, avec une intervention étatique faible, fait d'elle un des leaders mondiaux dans le secteur de l'industrie militaire, de l'aéronautique, de l'automobile, des produits de luxe, des produits pharmaceutiques et des matières premières industrielles. La Constantie est densément peuplé avec deux villes principales, The Ring City, la capitale, du coup c'est en contradiction avec ce qui est écrit au-dessus, et Aquila Heliaca, ville sainte du culte de l'aigle. Sa population est
recensé à 42,6 millions d'habitants au 1er janvier 2013. La Concessie est un pays développé avec un indice de développement humain très élevé. Gentillé des habitants. Ok. Alors, ça nous aide pas beaucoup, hein. Ça nous aide pas beaucoup parce que on a le nom de capitale en fait. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont détaillées ici? Ah oui, Zorin City, hein, 27 millions d'habitants, c'est autre chose déjà. Mais voilà, il n'y a pas vraiment grand chose. Ministre chargé du capitalisme. Sénat. Le Sénat est dominé, machin. J'aimerais bien juste qu'il me localise les choses. Bon, il n'y a plus aucune carte. Ça, c'est l'histoire. Premier royaume Zoroyé. Bon. Est-ce qu'on va considérer que la capitale est Zoroing City, sachant que bah, c'est assez compliqué en fait. Hein, si je veux, on va aller visiter la ville. Remarquez. Il y a peut-être des informations qui dit que c'est la capitale aussi. Donc, il y a pas mal d'infrastructures hein, en vrai. Ouais, c'est pas plus précis que ça. Du coup. Ouais. Un capital économique, je pense que c'est. Et du coup, on va rester, nous, avec ça, hein, Constantinopolis. Et on a dit 1200 et quelques habitants, selon ce qu'il est rentré ici. 1250 habitants. Ce qui est très très peu, hein, on va pas se mentir. Bon, c'est le genre de pays qui est plus actif depuis un moment. Et qu'il serait peut-être bon d'archiver. Alors, ensuite, on va aller au Pittsburgh et la capitale, ça doit être Belton de mémoire. Ou Lexi. Non, c'est ça, ou Saint-Louis. Non, Belton, voilà. On a aussi un grand complexe de villes ici. Alors, Belton, pareil, pays qui est inactif, comme la plupart d'ailleurs. Hein, mais... Pittsburgh et la population de Belton, du coup, on est à 8 millions d'habitants. 8 845 862 habitants. De 945 000, pardon. Alors, ensuite, on va partir à Vernis. Hop. En Mauvenadi. Paf, ici. Mauvenadi. Tout court, et la population ici c'est 2 548 214 habitants. Ok, ensuite on a Karnak. Hop là, le pays c'est l'empire karnakien, et la population c'est pareil, on est sur du 5 à 10 millions sur cette strate là de ville. 6 052 059 habitants. Et après, on va en Mandelzee.
où la capitale c'est Valakstin, qui est normalement un peu plus par ici hein, d'ailleurs, mais c'est un détail. Je pense que ouais, elle est même beaucoup plus rentrée à l'intérieur, elle est plus par ici. Bon, de toute façon, il faudra que je les recale, mais... Et on est sur une ville d'à peu près 500 000 habitants, me concernant, en Elzy. 514-021. Voilà. Ok, donc on a fait toute l'Océania et il nous reste un continent, du coup, l'Orinéa. Alors, le Zephyros. Tac, je vais me déplacer. Hop. Allons au Zephyros. La capitale s'appelle, et je l'apprends, pareil c'est un pays que je connais le moins je pense, qui a été actif à un moment où je ne l'étais pas, Zephyros, et la population 3 500 000, voilà. Ensuite on a ici en Akitsu, idem, pays que je connais assez peu. Qui, pour la petite histoire, en fait, la forme de ce pays, attendez, je vais dézoomer, c'est le premier continent, premier pays créé pour le monde GC, qui s'appelait EUGC, États-Unis, Génération City, un truc comme ça, et dans lequel j'avais déjà des villes dedans. Alors, la, pardon, la capitale, Kaningam, le pays, on a dit, Akitsu. Et la population, 2 124 671 habitants. Ok. Ensuite, on a le Belamrin. Hop. Ouh là là, c'est quoi ce nom de ville? je vais faire un copier-coller, hein, vous m'en voudrez pas. Tac, parce que c'est... Wokeyan Mallory Town. Pas facile à prononcer. Alors, pareil, donc là on est au B. L'arme. Main. 2 653 000 habitants. Hop. Ok, alors ensuite on va aller à Lagumine. Au Lagos. L'une des villes les plus incroyables de créer avec un city builder, je crois. Hop là. Et 3 335 645 habitants. Ok. Alors ensuite, on va... Corridon City. Le pays c'est province de Génétie. 2 mémoires. Voilà. Ok. Et on a 1 500 000 habitants. Est-ce que j'ai pas oublié un zéro? Non. Ok. Ensuite, on a Lutèce, qui est dans les faits en fait une reproduction de Paris. C'est l'une des premières villes créées sur le forum. Hein. Qui est une reproduction de Paris qui a maintenant plus de 10 ans. Qui est absolument géniale comme ville. Et 3 millions. Donc en fait, dans les villes, il y a plusieurs reproductions de Paris. Enfin, ça, c'est amusant. Hop là. 3 millions. Ok. Alors ensuite, on va passer... Là, on a
un bordel pas possible ici avec Mégalipoli, etc. Tac. Avec Arabal. C'est pareil, ça doit être une grosse ville, ça, dans mes souvenirs. Pas aussi grande que l'autre, les autres, mais... Non, Sokoline, c'est après. Ok. Arabal. Nouvel Empire Deltan. Et la population, 5 481 600 habitants. Ok, ensuite on va aux Confédérations Teutoniques. Principia. Je ne sais plus quelle tête elle a comme ville, ça. Confédération Teutonique. Alors, Principia. 3 millions aussi. Il n'y a pas d'illustration. 3. Ok. Ensuite, on a ici Kerberias. Le pays, c'est RU. Royaume. Royaume uni des îles Kerberes. Et la population, hop, 2 550 000. Dernière modification en 2014. ok, Néapoli. Bosphoros. La principauté du Bosphoros, normalement même. Hop là. Tac. Et on est à... Dans le même ordre de grandeur, 2 342 270 habitants. Ok. Ensuite, on va aller au Rodina avec la capitale qui s'appelle Sokoline. Rodina. Et la population... population, c'est 5 789 000. Oh, il y a un truc superbe là, non? Ah si, c'est superbe ça. Alors ça, faut... Waouh. C'est incroyable. Le détaillage ici, il est incroyable. Ah, c'est... Magnifique. Alors, en République de Votny, quelle est la capitale? Nombre de villes, 2. Alors, on va aller visiter le pays, parce que là, il y a la capitale, elle n'a pas l'air d'être trop... Est-ce que c'est Lorno, la capitale, éventuellement? Oh non, ça m'a pas l'air. Ok. Je crois qu'il y a des cartes perso aussi, transport. Ouais, ok, il n'y a pas grand chose ici. Alors on va aller le voir sur le forum du coup. Est-ce qu'il y a le lien? Ouais, page du forum. Pas de capitale choisie. Ce qui est un peu embêtant, mais voyez, là il y a beaucoup de choses. Ok. On va plutôt aller voir dans la géographie. Ah voilà. Donc, une principale ville, tac tac tac, on va essayer de trouver les bonnes infos aux bons endroits. Ok, touk touk touk, peut-être après. Non, tout tout tout. Carte des bassins hydrographiques, ah, ça c'est très chouette.
Hop, température moyenne annuelle. Oh, elles sont très chouettes ces cartes. Bon, elles sont assez simplifiées, mais c'est bien illustré quand même. Bon, on va trouver, hein. République de Grenos. Oh, je connais pas ça. On va pouvoir peut-être découvrir des choses. C'est nouveau ou pas? Ah oui, non, ça date d'il y a un moment quand même, 2015. Ok. On regardera ça juste après parce que ça m'intéresse. Politique, le système. Ça, j'avais déjà lu. Circonscription. Tac, tac, tac. Oh, c'est magnifique ça. Quarante-cinq millions d'habitants, ok. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est les villes. Bon, a priori, on a vu que c'était Aurora, le nom de la capitale, sur la première page. Mais on connaît pas sa population. Après, j'ai parcouru qu'en diagonale. Hein. Voilà, Aurora qui se situe ici. Donc, je vais essayer de bien le placer, mais ça va pas être facile. Hop, perdu mon. Fenêtre. Alors, République de Votny, tac tac tac. Oh là, pas facile. Donc on est en diagonale, je pense qu'on est à peu près là. Ouais, c'est ça, on est à peu près ici. Donc le nom c'est Aurora. Le pays c'est la Votny. Et la population, eh ben elle est inconnue. Ce qui nous arrange pas, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on a la République lunaire. Clunaropolis. Lunaropolis. Pays. République. Lunaire. Et la population, du coup, faut revenir sur la carte. A priori, c'est là, voilà, c'est ça. Sarbor d'Aurora. Ok, ouais. C'est là qu'est la capitale. Ah, hein. Oh, c'est génial ces trucs-là. Ça, c'est magnifique. Hein. Et il commence à avoir une belle couverture de la carte, enfin, sur la carte là. Hein. Oui, vous le voyez pas forcément. Et c'est sur mon autre écran. Bref, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Hein, pardon, mais. Pas de soucis là-dessus. Donc Lunaropolis, je cherchais la population. 765 000 habitants. Hop, bon bah je crois qu'on a tout couvert, hein. Pas dû en oublier. Vérifie, hein, mais ça c'est un pays qui est vide pour le moment. Enfin, qui serait très intéressant à. Usité, enfin comme territoire, c'est un territoire qui est assez intéressant. Là-haut, il n'y a plus rien. Il y a un petit territoire ici aussi. Qui d'ailleurs n'est pas dans ma carte. Hein. Faudrait que je le découpe. Ok, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour des capitales. Fou.
Alors, on va juste se faire une petite pause découverte en un pays qui n'a jamais abouti, un peu République de Grenos, voir si c'était intéressant ou s'il y a des choses, des idées sur lesquelles se baser. Bon, les villes sont très très simples. Ok. Bon, ok, c'est une tentative avortée, je pense, de pays. Qui est toujours, c'est ce qui est beaucoup le cas. Combien il y a de pays qui sont qui ont jamais été développés. Bref, bon, ok, pas trop d'intérêt. Hop, alors ça, je peux fermer. Ça, on le ferme. Ça, on le ferme. On garde la carte ici. Et on va mettre en page du coup notre petite carte des capitales. Alors, faudra une carte avec les drapeaux aussi, un de ces quatre. Mais il va falloir un peu plus de temps pour ça. Donc, on va dupliquer ça. Voilà, j'ai ces pays. Hop, sous la mise en page me plaît assez. Donc, je la garde. On est déjà quasiment à 1h40. Alors, du coup, on va essayer de catégoriser les pays en fonction de s'ils appartiennent ou non au monde GC. Et puis voilà. CGC, classé, oui. Oui, non. Tac. Ah, et pour ça, il faudrait quand même relier les territoires. Parce que là, du coup, on voit pas les pôles. Alors, il va y avoir plusieurs choses à modifier déjà. Ce pays-là qui était du coup introduit. Donc, c'est un peu laborieux là les premières cartes parce que bah, y a des informations à mettre à jour. Il y a un pays hein, bon, pour lequel, enfin, qui rentrait, ne montrer que l'entité sélectionnée. Donc le nom, c'est la Votnie. On va aller chercher son indice aussi. Ce serait pas une mauvaise idée. Hop là, République de Votnie, nom complet. Visiter ce pays, son idée c'est le 125. Voilà, OCGC, et eh ben oui, il en fait partie maintenant. Et puis bah, toutes les autres infos que vous avez là, faudra les. Pouf! Les intégrer ou pas. Alors ça, je me le laisse ici. Maintenant. On va intégrer les territoires polaires et les rattacher au mainland en fait. Hein. Donc ici, ok, voilà. Et il va falloir rattacher tout ça. Ça va pas être si simple. Donc je me mets ma petite fenêtre ici. Et faut que j'aille chercher une carte du découpage territorial des pôles. Ça me semble bien. RP pôle ici. C'est un bordel là-dedans, mais il faut vraiment que je fasse le ménage. Alors, les revendications du pôle sud. Alors après, il faut arriver à se repérer entre cette vue-là, qui est la vue, je sais jamais comment l'appeler, mais vue depuis le dessus des pôles en fait, qui est la plus exacte en termes de distance, de surface, etc. Et puis notre vue transformée ici. Alors, du coup, on va commencer par ouais, l'ONA, ça va pas nous aider beaucoup. Donc ça, on sait que c'est la Sylvania. Hop, mais c'est pas relié. Donc, bah, on va le relier. Tac. Donc on modifie ici et on fusionne. On garde les données de la Sylvania. Ok. Ensuite, on a. Est-ce qu'on peut avoir un territoire qui est facile à déterminer? Ce petit bout-là. Ah oui. Qui fait partie aussi de l'ONA. Je sais pas quelle partie exacte ça fait partie. Enfin, de quel état ça fait partie. Ça fait partie du Commonwealth avec ce bout de territoire-là.
Et donc là, ça c'est l'Empire Karnakien. Ça fait partie du Commonwealth aussi. L'île qu'il y a ici également. La petite île qu'il y a ici aussi. Et là, on a cette île-là, cette île-là, cette île-là. Tout ça fait partie du Commonwealth. Tac, tac, tac. C'est déjà pas mal. Ensuite, on va de l'autre côté. Donc, on a ce bout ici, ce bout ici, assurément. Ces espèces de dents qu'il y a là, cette île-là. Et alors après, c'est un peu plus compliqué. Hop, on arrive à se repérer. On a cette île ici, et celle qui est la plus extrême, c'est-à-dire celle-ci, qui en font partie aussi. Je crois qu'après on est presque bon. Alors, il y a encore quelques îles ici ou là. Il y a cette île-là. Cette petite île ici. Et l'île qui est au milieu là. Et ensuite, il y a un petit bout de rien du tout ici. Ok, et tout ça, ça va avec ce territoire. La question, c'est est-ce qu'il va bien vouloir... Non. Non. Pourquoi il ne veut pas? Oh, il y a certainement des problèmes topologiques quelque part, hein, mais c'est un peu chiant, hein, par contre. Bon, bah écoutez, on va le faire progressivement. Voilà. On recommence, hein. C'est tout. Ce qui va nous permettre d'identifier d'où vient le problème. Donc on a dit cette île ici, cette île ici. Ça va avec ça. Ok. J'espère que je me trompe pas. Ensuite, on a cette île ici qui vient se rattacher à tout ça. Ok, là dans ce petit triptyque d'îles, on a l'île centrale qui vient se rattacher à d'autres. On va essayer de prendre d'autres territoires en même temps. Hop, ça va ensemble. Cette île-là avec le reste. Ça va nous permettre d'identifier là où sont les problèmes, en fait, de le faire progressivement comme ça. Nickel. Ensuite, c'est sûr, je vais en oublier, hein, mais bon. Là, il y a la petite île ici au bout. Ok, là-dedans, on a cette île-là et cette île-là. Ensuite, pouf, 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 là-dedans on n'en a pas. Et on a ce grand territoire ici qui en fait partie. Avec cette île. Non, non, je veux juste fusionner moi. Ok, hop, on recommence. Donc ça plus... plus ça, a priori, voilà. Donc là il veut bien. Et la dernière étape, c'est fusionner les deux territoires. Alors, c'est pas le bon, forcément. Ah bah là, il veut bien. Ok. Bon, on verra si c'est bon ou pas. Alors, ensuite, on a ce territoire central ici qui fait partie de l'Helvénie. L'Helvénie, c'est où ça, l'Helvénie? Est-ce que ça serait pas. Est-ce que ça serait pas ici?
Ah, je commence à connaître un petit peu ma géographie GCN. Hein. Donc, tout ça, hop, on fusionne. On prend les attributs de ça. Ok. Ensuite, on a. Alors, c'est là que ça se complexifie un petit peu. Je pense que. Alors, ce territoire-là, d'accord. On va plutôt prendre celui-là d'abord. Ce sera plus simple. Donc, c'est ça, ça va ensemble. Et les petites îles, elles sont toutes les îles restantes. Ici, il y en a 4. Partie, tout ça, du New Land. De mémoire. Ouais, c'est ça. Donc ça va ensemble ici. Ok, New Land. Ok. Le territoire, grand territoire à côté. Bon, ça c'est l'ONA, ça va être un peu la galère. C'est une organisation internationale et pas tout ça. Je me demande si. Ouais, là-haut on est sur l'Issoen, ce petit bout de territoire. Et donc l'Issoen, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? Non, ça c'est la République Noroise, donc l'Issoen, c'est ici. Je confonds toujours les deux, hein, c'est. Voilà. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'espère que ça va pas virer les. Je me suis pas trompé. Ouais, ouf. Ouf. Ok, alors ensuite on a un petit bordel ici où on a un territoire qui fait partie de la Mauvenadie et c'est celui-ci. Tac, Mauvenadie. Ouais. Donc on fusionne. Paf. C'est là qu'il faut pas se tromper. Le territoire d'à côté. Ah tiens, ça fait partie du Commonwealth aussi. Je l'ai oublié. Ah, du coup, c'est effectivement ce territoire-là qui pose problème. Bon, bah, faudra le corriger. Ensuite, on a un territoire qui fait partie de l'Empire Karnakien. Donc, tout ça, c'est avec ces petites îles ici. Donc on va commencer par fusionner tout ça. Ça ne fonctionne pas. Oh. C'est pareil, il doit y avoir des erreurs de topologie à un endroit. Donc il va falloir les corriger. Enfin, les identifier et les corriger. Je pense que c'est ce petit bout-là, ouais. Effectivement. Ah, c'est les deux, ok. Allons-y. Donc, tout ça, ça va ensemble. Ça, c'est l'encore. Donc, ça va avec ça. Confédération encore, ok. Puis là, c'est le petit peu le bordel. Ça, je pense que c'est ce qui est limitrophe en fait avec l'Empire le territoire du Commonwealth. Donc ça va avec ce bout-là. Et ça va dans quel pays du coup avec Gallia. Tout ça, c'est Gallia du coup. Voilà, et Galia. Là ou là, je sais plus. Non, ça c'est Aznaroy, Sankoriko, non plus, Crémésie. C'est où Galia du coup? Ah, c'est là, ok. Ouais, bon, bah, j'ai encore des progrès à faire sur. Sur
ma géographie GCN. Ok. Bon, on y est presque sur le pôle sud en tout cas. ce petit bout là, du coup, ça va aller à l'Elvénie aussi. Avec. Ça serait pas. Hein, ça serait bien un petit bout de là encore en fait. Quand je réfléchis. Ouais. Ça, c'est un petit bout de là encore. Je fais des découpages qui sont un peu bizarres. Hein. Voilà. Alors ensuite, donc, on a des problèmes sur ces territoires ici et en particulier sur ces deux îles. Ouais, on a des polygones croisés à plusieurs reprises, donc ça marche pas bien ça. Donc en fait, soit on les décroise. Voilà. Là, c'est qu'il y a des points qui sont les uns sur les autres. Ok, donc là, on est bon normalement. Bon, on va mettre un truc un peu plus chouette comme ça. Ok, je pense qu'il n'y a pas d'autres problèmes. Là, ça a l'air d'aller. Par contre, là, on a encore un petit polygone croisé. Tac. Donc là, il y a un point en trop. Ici. Ici, on a encore un point en trop. Et là aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Oh non, je pense qu'on est bon là. La question, c'est est-ce que maintenant, il va bien vouloir me faire la fusion? Tout à fait. Donc, territoire de l'Empire Karnakien, ça va ici, et ça tombe bien, parce que c'est ce qu'il y a de plus proche, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Tac, donc, l'entité qu'on prend, c'est celle-ci, hop, ok. Donc, ça, c'est quoi, ça, déjà, ce petit bout de rien du tout, là. Ça, c'est encore un territoire de du Commonwealth, donc c'est pareil, il doit y avoir une erreur quelque part. Oh, ça se pourrait bien que ça soit par ici, ça, non? Voilà. Hop. Ça, j'avoue, je sais pas pourquoi quand au moment de la transformation, ça a fait un polygone croisé, mais bon. Ok, donc maintenant, on prend ça et on l'apparie avec ça. Tac. Et il ne veut toujours pas, donc ça veut dire qu'il y a encore une erreur quelque part. Il va retrouver les erreurs, toi. Oula. Pourquoi je peux plus le... C'est un peu bizarre. Hein. Pourquoi je peux plus l'éditer? Ah, c'est chiant ça. C'est vraiment très très chiant. C'est pareil, ça je peux pas le mettre ensemble, non? Ah si. Ce que je veux, c'est ça, et j'arrive pas à savoir. Alors du coup, on va vérifier la topologie, c'est pas grave.
Vecteur, outil d'analyse. Vérifier la validité, ok. Pourtant, il n'y a pas d'erreur en plus sur ce bout-là. Là. Ouais, peut-être si en. Non. Bon, là, il y a une erreur. Ah oui, en effet. Comment on gère ce genre d'erreur là? C'est bizarre ça, ce. Ah, c'est juste ce point-là. Pourquoi il veut pas les... Il y a des trucs bizarres. Hein. Je peux pas les éditer, c'est. Active, oui. Là, je peux l'éditer et pas celle-ci. On est d'accord que ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que j'ai fait qui est pas bon? Éditeur de sommet outineux. Clique droit sur une entité éditable pour afficher le tableau de ses sommets. Une fois que le sommet de l'entité apparaît dans. Parce que là, je peux éditer ça. Alors attends, c'était RLD. Non? Ok. Bah, là je peux. Là je peux pas. Oh, il y a des bugs partout là. Bah, là, je peux éditer. J'avoue, là, il y a des trucs que je comprends pas trop. Pourquoi je peux pas les éditer les couches là pour les corriger. Bon, bref, c'est pas grave. On va faire autrement. Je sais pas comment, mais on va faire autrement. Ça, j'en ai pas besoin. Ah, c'est con ça, parce que j'aurais bien voulu arriver à faire la sortie. Bon, de toute manière, on va pas pouvoir faire la sortie avec les populations. Parce qu'il nous manque une donnée. Ok, si je réactive ça, je peux pas l'éditer. Alors que là, je peux prendre hop, le sommet et je peux toujours pas l'éditer non plus. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça?
Ok. Bon, il fait des trucs vraiment très bizarres, je pense qu'il faut que je le redémarre. Dans le coup, c'est pas grave, on va s'adapter, on va faire autrement. Donc il reste des territoires là, et donc il y a un découpage ici qu'il faut que je fasse, que je retrouve une image qui me permette de le faire. Mais dans l'idée, on aura fait toutes les numérisations, on va essayer de faire un truc un peu chouette de mise en page pour avoir un petit résultat quand même pour aujourd'hui. Résultat qui va être hop, ici. Dans l'idée, c'est pas très très grave. Ça, on le met en gris. Hop. On va quand même remettre à 100% l'opacité. Ok. J'ai dit en gris. Gris comme ça. Ok. Ouais. Est-ce que je mets des bordures? Bonne question. Qu'est-ce qui serait le plus classe? Dans la deuxième édition, comment c'était fait? Il y a des bordures ou pas du tout sur les pays qui faisaient pas partie de l'ECGC? Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Tout l'enjeu, ça va être aussi de refaire des cartes un peu uniformes partout. Hop. Non, il n'y avait pas de bordure, donc. Et ben on vire le trait. Ou on fait juste. Comment j'ai fait? Peut-être falloir que je change de version de QG, c'est un de T4 quand même. S'il y a une nouvelle version qui est sortie, donc ce serait pas mal. Remplissage en dégradé. Tout, bordure. Ouais, bon. Ok. Alors, je pense qu'on peut le mettre en plus foncé encore. Voilà. Ceux-là, ils sont avec des bordures qui ont cette couleur-là. Ok. Et qui ont un remplissage assez clair, du coup. Ok. Magnifique. Oui, il faudrait qu'on ait Paris derrière. Et pour le moment, comme tous les territoires polaires, on va tricher. Copier le symbole. Voilà, pour ça, on triche. Ok. Et on va se faire la symbologie maintenant, la couche des capitales. Je pense des points, ça suffit en fait. Hein. Comme ça fait des très gros points. Peut-être qu'il faudra les faire grossir après quand on fera l'export. Ok. Et qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Ah, les étiquettes, forcément. Ouais, je pense que pour la semaine prochaine, je vais changer de version de QGIS. Je vais essayer de passer sur la version supérieure. Parce qu'il y a plein de trucs en plus qui sont très cool. Le nom. Position. Distance. On va augmenter un peu la distance. Voilà. Ça aurait été pas mal de mettre le nom des pays aussi. On va essayer de faire ça. Un tampon peut-être, c'est pas mal les tampons. En 0,8 ou 75, voilà, millimètre. Hop là. Je me tâte à rajouter tous les drapeaux quand même. Mais en fait, ça peut se faire très très facilement en faisant un champ de texte comme ça dans les entités qui fait. En fait, en faisant dans la table attributaire un champ avec un lien vers une image. Et ensuite. Méta.
étant une étiquette qui renvoie vers ce champ, enfin en HTML en fait, une étiquette HTML. Et ça fonctionne bien, j'ai déjà fait dans d'autres circonstances, on va dire. Bon, faut voir ce que ça donne en mis en page en fait. Hein. Aussi comme musique ça. Alors la question qui se pose maintenant c'est celle de la mise en page pour changer. En fait on va peut-être réserver un cadre en haut pour le titre. Ouais, disons que cette transition de folie. Ce qu'on va faire c'est que ça on va le mettre sans bordure. Voilà. Comme ça, on peut l'adapter et le mettre directement ici. Hop. Pile poil. Tac. On va dupliquer ce rectangle. Donc là, enfin, on fait en fait la mise en page qui va être celle. Générique en fait pour notre atlas. Hein. On va se garder en haut hop, un petit. Voilà, pour mettre le titre. Donc en fait, la carte. Hop, elle vient ici. Ça. Ça va venir. Pas trop où, mais ici, a priori, c'est pas trop mal. Hop là. Ça pourrait être un petit peu plus grand. Ouais. Juste un chouille de plus. Voilà. Tac. Est-ce que maintenant je mets une ligne? Alors sans flèche, couleur du trait de la flèche, eh bien ça me paraît pas mal. Couleur de remplissage, pareil. Non, bon, ok, c'est pas ça. Ligne simple. Voilà. On va aller au bon endroit. Voilà. Ouais, c'est pas trop mal, je pense. Tac. On en met une autre ici. Comme ça, on a une mise en page à peu près correcte. Au niveau de la légende maintenant, bon le nord il est en haut donc on va pas le préciser, on va avoir un titre ici avec donc ça va être un petit cercle, ajouter hop, une ellipse comme ça, hop. On va essayer de faire un remplissage en dégradé, hop là. Alors le style, remplissage simple, non, un remplissage dégradé. Ok, deux couleurs. Il y en a une, c'est plutôt un rouge. Voilà. Et l'autre, on est sur du violet, rose. C'est à peu près ça. C'est les couleurs du logo du politique. Touk, touk, touk. Et... Par contre, est-ce que je peux régler le type de remplissage? Hmm.
Non. Bah, on peut pas gérer le type de dégradé qu'on veut? C'est stupide. C'est stupide! Bon, et si j'inverse maintenant? Est-ce que c'est mieux? Parce que là, c'est un peu bizarre. Mais comment j'ai fait mes autres cartes, moi? J'ai forcément fait un dégradé, là. Je me suis pas amusé à rajouter une pastille que j'ai stockée à un endroit inconnu, non? Ça, cette pastille-là, on peut la retrouver, non? C'est bizarre. Est-ce que je peux importer des mises en page ou je sais pas quoi, mais des éléments. Ça me trigger là. Mais si, regarde, là, il y a bien des dégradés, remplissage en dégradé. Bon, alors. Ah bah c'est en haut. Voilà, donc on recommence, on met le rouge en haut. Il suffit de regarder un petit peu plus haut en général, ça va. Ensuite, point de référence. Bah. 0,5, voilà, tac. C'est pas trop mal comme ça, non? Il n'y a plus qu'à virer cette couche-là, voilà. Oh, ça pourrait être même un peu plus diffusé encore. Voilà, là on est mieux. Tac, maintenant on va rajouter un petit titre. Voilà. Les capitales. Les pays. Capitales des États membres de l'OCGC. Voilà. Ensuite, on va se mettre en Tillium Web pour la police. Police de l'OCGC du coup. Pouf, semi-bolt. 20. 22. Ouais, c'est pas mal. Ok. Et ici, on a la légende du coup. Ok, des trucs dont on a besoin. Mise à jour, ça, on s'en fout. Ok, ça, on s'en... Enfin, tout ça, globalement, on s'en moque. Alors, capital. Nope. Caché, voilà. Et on va réorganiser ça, donc ça va en bas, ça, hop, je le remonte, état membre de l'OCGC, autre territoire, hein. C'est un peu ça, autre territoire. Ensuite, alors maintenant on fait un titre, légende, ok. Format de police et de texte. Dans tous les cas, on va aller chercher le Tillium Web. Là, c'est le titre de la légende. Donc, on reste en semi-bolt. On change pas la taille. Ok. Titre de groupe, pareil. Tillium. Tillium Web classique en 14. Ok. Titre de sous-groupe, toujours Tillium. En 12. Police de caractère, ici. Tillium. Classique.
Peut-être qu'on aurait intérêt à garder ça peut-être en semi-bolt ici. Et semi-bolt également. Voilà, je pense qu'on est pas mal. La légende, on va la mettre bien comme il faut. Pas facile. Ici, hop. Oula. Voilà, comme ça. Il nous manque... Qu'est-ce qui nous manque? Eh ben, un petit peu de décoration en termes de source. Alors, qu'est-ce que j'avais mis dans les autres cartes? Touk 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 ici. Source, CGC, comité politique. Et aujourd'hui, nous sommes le 26/06/2022. Voilà. Ok, et je mets pas le logo du comité politique à chaque fois, ça sert à rien. Par contre, on va le mettre en centre aligné à droite. Voilà, on va essayer de... Ouais. Non, on n'est pas trop mal. La légende, il y a un espace en au-dessus qui me plaît pas trop, mais si je le colle en fait là, c'est pas trop mal. Hop. Voilà, voilà, je pense que c'est pas mal. C'est un peu bizarre comme mise en page quand même, je trouve, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça reste classe? Est-ce que... Bon, c'est une hypothèse. C'est toujours un peu long, la première carte. Hein. Est-ce qu'on pourrait pas remplir en gris très foncé? Comme ça. Avoir un titre, du coup, qui serait en blanc. Et puis après, on a notre légende ici. Il va falloir qu'on gère un peu bien les espacements quand même. Alors c'est positionnement plutôt. Position et taille, voilà. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt le point bas. En X, donc on va mettre à 5 mm à chaque fois. Donc, enfin, X5, voilà. Et ici, 205. Tac, comme ça. Sachant que ça laisse du coup pas beaucoup de place hein, quand même en dessous, mais... Ouais. Et donc, même chose pour toi. On laissait bien 5 mm à chaque fois. Position et taille. Le point d'ancrage, ça va être celui-là. Donc, en hauteur... Non, c'est pas ça. Ici on est bien à 205 aussi, et ici 29,7, donc 292. Voilà. Et dans le coup, bah ça, faudrait au moins mettre à 5 en X. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Bon, à voir, parce que je suis pas particulièrement convaincu de cette mise en page, mais c'est déjà un petit peu mieux que ce qu'il y avait au départ. Du coup, la ligne qu'il y a là, elle sert pas à grand-chose. Voilà.
Et dans l'abs... Ouais, si, ça... À voir. C'est un peu... C'est vraiment bizarre comme mise en page. Mais au moins, on a l'espace pour mettre les légendes. Sans que ça empiète sur autre chose. C'est pas très différent de ça. On a plus ce petit cadre ici avec hein, le zoom sur le PEI. Donc, qu'est-ce qu'on va le rajouter? Bah, sur cette map-là, on n'en a pas besoin. Hein, on va pas se mentir. Mais peut-être que... Ouais. On va voir. En tout cas... Ça me plaît, si ça me plaît assez. Là, les légendes a fait ridicule parce que bah, il n'y a rien dedans, mais il y a de la place ici en tout cas. Bon, bah, export. Hein. Et puis, on sera bon pour cette première session. Enfin, première session. Donc, deuxième session pour sur la cartographie du coup. Enfin, troisième édition de l'Atlas cartographique. Hop, ben, faut faire un nouveau dossier. Ah, on a GC capitale et je crois que c'est dans la partie 1. Je pense qu'on va la mettre juste après les états membres de l'OCGC, je pense. Ouais. Ok, bon, parfait. Est-ce qu'on a le temps? On a encore, ouais, on va aller jusqu'à 2h30, jusqu'à 20h, quoi, en gros. On va commencer. Bon, je vais démarrer ça. Hop. On va recommencer, commencer à lancer l'Atlas 2022. Va falloir que je range toutes ces bêtises aussi. Putain, c'est un bordel. Incroyable. Troisième édition, donc Atlas 2022. Hop, j'attends juste que le InDesign se lance. Ça, je vais pouvoir le fermer du coup. Hop là. Je ferai du rangement plus tard. Voilà. On va ranger nos atlas comme ça, nos différentes éditions comme ça. Première édition. Première édition. Et donc on était en 2020. Tac. Et la deuxième édition en 2021. Data, ok. Relations bilatérales, c'est quoi ça? C'est les différentes couches, donc on verra ce qu'on en fait. Le pôle, etc. Donc dans la troisième édition, est-ce que j'ai pas un petit classeur Excel à un endroit qui me donnait voilà. Ça, donc on va remettre dans la troisième édition du coup. va falloir ouvrir. Alors, on n'est pas du tout au bon endroit. Projet créatif, voilà. On est au bon endroit, si toutefois... Hop. Ça veut bien. OCGC, paf. Atlas 2021, donc on l'ouvre. Il va me dire qu'il trouve pas. Oui, bon, 48 en manquant, balèque. Ça, c'était le fichier de la deuxième édition. C'est déjà pas mal, hein, quand même. Et bah du coup, on va hop, enregistrer sous et enregistrer ça dans le dossier, le bon dossier Atlas 2022 INDD. Donc, on a dit cap 1, organisation internationale.
Peut-être que en fait ça va être ça, la première partie, ça va être les informations générales. Ce qui va nous permettre en fait d'enlever les états membres de l'OCGC quasiment. Quoique, bon, ça peut être des choses qu'on rajoute. Hop. Insertion ici, et on va passer donc là ce qui est ici à partie 4 tout en haut. Ça devient partie 1, les organisations internationales, ça sera partie 2, les relations, partie 3, puis on verra ce qu'on met à jour. Donc, information générale, classe 2022, hop, on verra ce qu'on fait ici en termes de mise à jour comment dire, de mise en page, peut-être que ce sera un petit peu différent. Dans tous les cas, hop, on va. Faudrait que je duplique ça. Non, faut que je crée plutôt. Insérer des pages, deux pages après la page 5. Et je prends ce qu'il y a ici. Et je le colle là. Et le gabarit, on est sur le gabarit B. Tac, ça, on le cale au bon endroit. Ici, on fera peut-être une autre mise en page. Ce qui est certain, c'est ici, c'est le titre. Information. On n'est pas sur du Tilium. Ah ouais, il va falloir changer la police, ça aussi. Général. Voilà, information générale. Ok, donc organisation internationale, on a dit que c'était 2. Je dis, on refera la mise en page bien comme il faut plus tard. On passera peut-être un live direct, enfin, complet là-dessus. Ça pourrait être pas mal. Et donc on insère deux pages ici. Hop. Et ça commence directement derrière. Ok. Donc première carte, on a dit que ça allait être certainement. Alors si je les organise maintenant. Carte avec les noms des pays et les drapeaux. Ça me paraît pas mal. Carte des capitales en deux. Donc notre carte des capitales va venir ici. En page 9. Importer. Petite insertion, alors c'est pareil, faut que j'aille au bon endroit. Faudrait que je me mette des raccourcis, ça pourrait être utile. Hop là. On va voir ce que ça donne hein, avec cette mise en page là. Oh, il y a moyen que ça soit quand même assez classe. C'est qu'il n'y a pas les mêmes espaces partout, j'ai l'impression. Normalement, je réduis. Ok. Donc, il faut que je mette plus d'espace en hauteur. Enfin, réduire un peu les marges, je pense. En bas, c'est pas nécessaire. Par contre, en haut, hop, si je fais ça, justement, remplir le bloc professionnellement. Et maintenant, si je fais ajuster le bloc au contenu, on gagne pas grand-chose, hein, a priori. Ok. Du coup, on a le titre qui dépasse en haut. Ça fait très bizarre. Peut-être falloir revoir un peu le format de papier, hein, du coup, pour qu'on ait bien une marge comme il faut en haut. Ou alors faut que je revoie ma mise en page. Ce qui est possible de faire, c'est de descendre à terme si ça. Pour que ça soit bien centré. Sachant qu'on a potentiellement des choses aussi sur le côté ici qui viennent s'insérer. Il y avait ça dans l'édition précédente. Donc en fait, peut-être que la stratégie c'est ça. Voilà. Dans la mesure où ici on va avoir des choses qui vont décorer un petit peu la page.
Après, on peut soit le coller là. Non, on va le laisser ici, je pense. J'essaierai de faire quelque chose d'un peu plus évolué, mais qui a un peu plus de distance du coup. Par exemple, si je fais juste un copier-coller bête. Hein. Hop. Sachant que c'est pareil, ça sera des choses à éditer. On peut envisager en fait de faire un. Je sais pas comme ça, un indicateur comme ça qui fasse cette marge là quoi. Hop, et c'est pas déconnant, sachant que ça c'est pareil, on va peut-être pas les mettre centrés, mais peut-être plus sur le côté, je sais pas, voilà, faut réfléchir un peu plus à la mise en page plus tard. Mais je pense que c'est pas mal déjà. Donc là, ouais, on a bien la place pour faire ce qu'il faut, je sais pas. Si je prends la distance ici qui doit être de 15 mm, enfin un carré de 15 x 15. Colorier. Repérage. Donc voilà, ce truc là, on peut le faire venir jusqu'ici. Ce qui nous permettra de mettre peut-être plus d'onglets. Plus de décoration, je sais pas. Mais ce serait pas déconnant. Bon, faut que ce soit beaucoup plus joli que ça par contre. Hein. Voilà. Qu'est-ce que ça donne si j'enlève les... Ouais, il va falloir que ça soit très joli du coup. Hein. Peut-être que le numéro de page, il sera dedans aussi, je sais pas. Par contre, j'aime bien la bande noire comme ça. Après, on peut avoir des marges... Enfin, moins grande aussi, bon, à réfléchir. Donc, bon, en termes de mise en page, il y a de la réflexion à avoir. Peut-être que c'est des cartes en pleine page qu'il faut faire. Mais là, du coup, on n'a plus de décoration. Avoir une bande en fait tout le long qui soit noire, je sais pas. Bon. À voir ce que ça va donner. C'est bien d'avoir un peu de marche sur le côté aussi. Après, tout ça tout en haut. Il y a moyen en fait de faire quelque chose comme ça. Après, ça va être peut-être chiant sur les numéros de page. Donc, admettons ça, on l'enlève. Il y aura des cartes du coup qui sont en pleine page. Et avoir du coup le numéro de page qui est ici. Page machin. Voilà. Après, sachant que sur les pages de ce côté-là, ça sera un peu bizarre. Conserver, je sais pas, un truc dans le coin, mais il faut que ça soit symétrique, c'est-à-dire qu'on arrive à le mettre. Bon, bref, vous aurez compris, il y a des questions sur de mise en page à traiter. Faut arriver à mettre le numéro de page, et ce qui serait pas trop mal aussi, c'est de mettre les numéros de section, des choses comme ça. Donc, faut que je trouve de l'espace. Alors, peut-être que c'est le format A4 qui va pas. Et rien ne nous empêche d'aller un petit peu au-delà en hauteur, même si c'est vrai que j'aurais bien voulu conserver le même format pour toutes les versions de l'Atlas, mais bon, peut-être que c'est ça qu'il faut toucher. En tout cas, l'idée d'avoir des cartes en pleine page comme ça, c'est pas une mauvaise idée. On peut avoir le numéro de page dans le coin ici, ou rappeler la section dans laquelle on est, quelque part, ou avoir juste un pied de page en élargissant du coup les pages. Ou tout simplement réduire le cadre en bas de légende. Hein. Mais ça ferait peut-être un peu ridicule et ça nous laisserait beaucoup moins d'espace. Après, ça peut être écrit beaucoup plus petit aussi. Bref, des choses à voir et je vais peut-être réfléchir à ça hors caméra ou dans un prochain live.
Hop. Bien, bah du coup, voilà, pour aujourd'hui, on a atteint l'objectif de cette carte des capitales. Je vais continuer, ouais, à réfléchir à la mise en page, etc. Et ben, on verra ce que ça donne par la suite. Peut-être que dans le prochain live, ben, vous pourrez voir l'issue de mes réflexions et qu'on pourra du coup continuer à avancer sur cet atlas. Je l'espère, dans tous les cas. Voilà. Allez, merci d'avoir regardé. On se retrouve donc assez, je pense, bientôt, dimanche prochain au pire, pour une nouvelle session de cartographie sur l'Atlas ou sur autre chose, et peut-être à un autre moment dans la semaine, genre samedi ou vendredi ou un autre jour. Voilà. Allez, merci d'être passé pour ceux qui y ont passé, ou merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout sur YouTube, et on se retrouve très bientôt. Allez, salut!